Ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de la journée. Épisode d'hier qui s'est un petit peu terminé brusquement, comme prévu, le jeu a planté. Je le sentais venir. Et bon, j'ai pas perdu grand chose, ça a planté 2-3 jours après la sauvegarde automatique, donc c'était pas très grave. Mais bon, quand même, c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi mon jeu plante comme ça, je sais pas si ça le fait pour tout le monde, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup d'unités. En général, ça tourne assez mal chez moi. Au bout d'un certain temps, ça plante. Alors, eux, ils peuvent rentrer chez eux. Alors, du coup, je sais plus du tout ce que j'avais. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais plus du tout ce que j'étais en train de faire. Je crois que j'avais... Oui, j'avais vu que certaines de mes unités de garnison n'étaient pas rattachées à leur corps. Et ça, c'est pas bien du tout. Ok, j'avais vu que cette unité-là, elle était toute seule, je vais la ramener par ici. Ici, il rentre, ici, c'est bon. Là, ça va être bon. Eux, faut qu'ils aillent d'urgence vers le nord. J'avais pas vu qu'il y avait de la milice tout en haut, c'est quoi ça? Ah oui, pourquoi pas, un peu d'argent. C'est pas que j'en manque, mais bon. Voilà, donc là, ça prend fin, cette offensive anglaise. Une nouvelle fois, énormément de pertes du côté anglais. Je sais pas combien il peut y avoir d'unités cette fois. La dernière fois, du côté, c'était plutôt côté américain d'ailleurs, c'était eux qui dirigeaient l'offensive. Il y avait, à mon avis, plus de 100 unités, plus de 100 divisions. Là, il y en a peut-être un peu moins quand même, je sais pas, je pourrais pas trop dire en fait. Mais en tout cas, ça fait une deuxième grosse défaite pour les alliés. J'espère qu'ils vont me laisser tranquille pendant un certain temps, que je puisse m'occuper des Russes. Ce serait plutôt sympa. Alors eux, ils vont aller au port. Ok, donc ça c'est de l'amélioration pour les intercepteurs et le groupement aérien embarqué. Ouais, c'est quasiment fini. Hein. Tout le monde est arrivé là ou pas? Ah non, non, non. Personne n'est arrivé en fait. Pourquoi il fait ça? Normalement, je l'avais dit. Ah d'accord, c'est bon. Bon, ça c'est de la théorie. Alors, mon avis, hein. Ouais, bon, ça c'est pas trop grave, on va résoudre ça au fur et à mesure. Mon navire, il va venir ici. Je crois que cette unité-là, elle doit rentrer en Europe, mais celle-là, elle est toute seule. Je la mettrais bien avec cette brigade. 3, donc là, il y en a 3. La quatrième, elle est là, et donc je vais en prendre une cinquième. C'est combien son numéro? C'est le quatrième corps. Donc lui, il va aller en Afrique aider un peu. Donc là, je suis en train de prendre la province. J'ai réussi à les faire insister un peu trop. Du coup, ça leur a coûté cher. J'espère que je vais réussir à prendre la province. C'est pas gagné. Bon, là, c'est bon. Là, c'est bon, j'arrive aussi. C'est long, là, dis donc. Pour de la milice, ils s'en sortent pas mal. Ok, c'est gagné. Donc là, je vais réussir à les virer. Ils m'auront bien fait courir dans tous les sens. Mais ça va le faire. Ok. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ah non, 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 on va pas par là. Hein. Non, 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 non. Pour l'instant, ils peuvent pas passer parce qu'il y a des territoires. J'ai perdu trop de territoires, là. Je vais résoudre ça avant de passer. Ici. Alors, c'est des corps qui sont pas complets. Mais je vais quand même y aller.
Ouais, celui-là, ça m'intéresse pas trop de le bouger tant que il y a une unité qui traîne là-bas. Ouais, faut absolument que je reprenne le canal de Suez, là, c'est pas très sérieux cette histoire. Pourquoi il passe par la mer là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, il passait par le transporteur en fait. Il faut vraiment que je reprenne tous ces territoires parce que c'est un peu saoulant de ne plus avoir Suez en fait. J'espère que ça va gérer là. Ouais. Alors je pense que ici c'est fini. Ouais. Donc je vais pouvoir regagner le front. Sauf que là j'ai pas sélectionné toutes mes unités, hein, faut pas que je fasse l'erreur. Pourquoi j'ai plus que 266 de production alors que j'étais monté à plus de 300? Je dois manquer de métal à mon avis. Ça doit être ça, de nouveau. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Assez bête parce que j'ai fait des usines, j'avais récupéré pas mal de métal en commerce, je faisais du commerce. Ce que je vais faire. Je vais faire un peu de diplomate, on ne sait jamais. Peut-être que l'ordinateur n'a pas assez de diplomate. Je vais m'en faire quelques-uns. Ok, là, faut vraiment que je reprenne tout ce qui est, tout ce qui longe le canal de Suez. Je sais pas jusqu'à où ça compte pour les, pour le. Canal de Suez. Il manque Hurghada, El Souvaïs, Islamia. Donc il manque Islamia, El Souvaïs là et Hurghada ici, d'accord. C'est ces trois provinces qui comptent. C'est comme si c'était fait. Ah bah je suis remonté à 310, j'ai dû récupérer un peu de métal, c'est un peu chiant cette histoire de faire l'aller-retour. Non, ça je maintiens à zéro encore un peu. Ça me permet d'avoir une production industrielle au maximum encore pendant quelques temps. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Là je vais laisser la garnison. Reprendre ça. Là, je peux pas passer. Pourquoi je peux pas passer là? Ouais, je sais pas.314. Je crois que c'est mon record. J'ai jamais eu autant d'industrie. Ah, là ça gère. Ah là je suis déjà arrivé, c'est quand même bien agréable d'avoir de la cavalerie rapide. Ça aide beaucoup à intervenir à droite à gauche quand il y a besoin. Bon évidemment, eux aussi avec de la milice, ils sont assez rapides. Ça, c'est ma nouvelle flotte, je crois, de transporteurs. Donc, faut que je la mette à part. Puisqu'il y a des navires qui vont être rapidement faits, d'autres un peu moins rapidement, quand même. Ouais, c'est ça, les transporteurs vont être rapidement finis. Mais les navires de guerre, c'est beaucoup plus long, évidemment. Alors, faut que je règle ça. C'est quoi cette bataille là? Ah oui, si, c'est bon. Ça va vite être réglé. Ça c'est bien, je sais pas combien ça prend d'industrie, les transporteurs. Ça prend 5 quand même, mine de rien. Ça prend plus que mes navires classiques. C'est plus rapide, mais ça.
ça monopolise plus d'industries. Donc ça va me libérer des possibilités. Ouais, je vais faire de l'infanterie là. Ah, j'ai récupéré Suez. C'est plutôt sympa parce que ça me coûtait cher rien qu'en leadership. Là, j'ai des unités qui n'ont pas de corps. C'est quoi ce délire? Ah, elles dépendent de celui-là. J'ai l'impression que je suis parti sans mon corps en fait. J'ai envoyé les divisions sans le corps, donc je vais tout de suite les renvoyer là-bas. Bon, là tout est rentré dans l'ordre. On va peut-être avoir la guerre, hein, faut que je me méfie. Les Allemands vont être pour une fois tranquilles. Est-ce que j'ai des unités qui arrivent, moi? Pff, putain. Pas vraiment. Ce que je pourrais faire, c'est compléter le 13e qui est incomplet. Rattaché au 13e. C'est bien le 13e, ouais. Ok. Là, j'ai l'impression que les Russes ramènent encore des troupes. Là, ils sont trop rapprochés, ceux-là. Je vais les disperser un peu. Bon, ici, c'est bon. C'est pareil. Eux, je vais les disperser un peu. Pour qu'ils couvrent un maximum de territoire, évidemment. Là, je dois pouvoir repasser maintenant. C'est bon. Sans qu'ils fassent tout le tour. Ouais, c'est bon. Ça passe. Ok, ça c'est réglé, donc on va aller par là maintenant. Alors là, pour mon offensive, j'ai absolument pas ce qu'il faut. Si, là j'ai ce qu'il faut. Là j'en aurais que 3, il m'en manque 2. Donc là, je crois que je vais mettre plutôt 3. 3 unités d'infanterie par province, plus une unité blindée. Je vois que les Russes bougent pas mal là. Je sais pas trop ce qu'ils font. Bon, j'ai beaucoup de navires de transport, je trouve. Je sais pas combien j'en ai fait là. Alors, mon unité blindée, ça tombe bien. J'en avais une qui était incomplète, je sais pas où. Elle est là. C'est la 23e. Voilà, donc maintenant elle sera complète. Je vais me relancer dans la production de ravitaillement, il le faut malheureusement, je suis plus qu'à 25 000. Et je vais me relancer dans la production d'infrastructures. Voilà, ça a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai plus rien qui bloque nulle part, c'est bizarre. Ici, je vais quand même améliorer ça. Alors, je pense que je suis quasiment au maximum sur beaucoup de provinces le long de cette route. Je vais quand même améliorer ici vers ce front. Là, j'ai peut-être des problèmes ici. Ouais, je vais améliorer le long de cette route. Je vais améliorer le long du front. Même si déjà je suis pas mal en fait. Peut-être pas partout. Ouais, je suis quand même pas mal. Bon là par contre, un peu moins. Ok. Non, le plus important c'est vraiment sur ce front. Enfin, sur ces deux fronts là, les deux fronts suivants. Où on est d'abord beaucoup plus loin et
Le terrain est vraiment pas propice. Même si j'ai bien amélioré les choses quand même, je trouve. Là, il y a une... J'ai quand même bien amélioré hein, par rapport à ce qu'il y avait avant. Ça m'a coûté bien cher. Mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Là, par contre, ça va être compliqué. Veut dire quoi cette couleur déjà? Je sais plus. Oui, c'est plutôt pas mal. Bon, ici, je vais en faire un, mais bon. C'est quoi cette couleur à deux balles? J'aime pas ça. Et ici, on est toujours ravitaillé par Rome. Hein. Ouais. C'est un peu ça qui me tue, je dois dire. Bon, ravitaillement, je vais tout mettre en premier. J'en ai fait pas mal finalement. J'en ai fait vraiment beaucoup. J'arrive au bout là. Mais ça va me durer jusqu'à la fin de l'année. Ça me prend plus que 3 mois, grosso modo. C'est relativement rapide. C'est ici aussi, il faut que ça passe absolument. Ici sur mes ports là. Ok. J'arrête parce que sinon je peux en faire encore 50 comme ça. Ça coûte quand même relativement cher. Bon, j'attends que mes blindés soient... Alors, je vais avoir 15 divisions blindées. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, par contre, ici, on a de la montagne. Je sais pas par où je vais attaquer. J'ai bien envie d'attaquer par ici. C'est le seul endroit où on n'est pas de rivière. Déjà, je voulais tenter un débarquement. Ici, à Odessa. Je pense que le débarquement, je peux le tenter en partant de Saint-Georges ici. Je vais utiliser ce corps-là. Alors, j'avais fait trop de transporteurs, je crois. J'ai 7 transporteurs. Et là, j'en ai 2, 4, 6. Ça fait un peu trop 7, non? Chier. Ouais, pour faire pareil, j'aime bien tout ce qui est symétrique. Hop là, je vais en faire un septième pour cette armée. Au risque de passer pour un maniaque. Alors, ici, ça donne quoi? Je continue à avancer, c'est très très long. Je crois que je vais finir par arriver quand même. Ici, ça avance pas mal. Je comprends pas qu'on n'avance pas sur ces provinces-là. Il doit y avoir des problèmes d'infrastructure, je regarderai ça. Là, je suis en train d'arriver. Cavalerie attaque des cibles non blindées. Ouais, j'ai un peu amélioré ma cavalerie. Je sais pas si je vais continuer très longtemps d'ailleurs. Peut-être que je vais faire qu'un niveau quand même. J'avais lancé toutes ces. À la fois la milice. Enfin, en fait, les garnisons. Mais je vais faire qu'un niveau. Hein. Je vais pas faire tous les niveaux pour rattraper tout mon retard. C'est trop long. Déjà, bon, je sais pas si c'était le bon choix d'améliorer. La cavalerie, mais enfin bon, je l'ai fait. Ok, ça c'est réglé. On va s'occuper de les poursuivre et de les achever. Là, je trouve ça exceptionnellement long. Non, c'est normal. Alors, ici. D'abord celle-là,
Et ensuite, je reviendrai pour la deuxième. Mais là, c'est urgent. Enfin, c'est urgent. Bon, j'exagère. Ah, là, faut pas que je reperde Suez, si possible. Je crois que je vais même y aller en redéploiement stratégique, parce que j'ai vraiment pas envie de reperdre Suez. Il y va, ouais. Et merde, il a ramené des renforts. Et je pense que par contre on va gérer parce que il a pas beaucoup d'organisation, je trouve. Donc ça devrait le faire. Ok, ça c'est gagné, je m'en suis débarrassé. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais laisser cette unité-là gérer celle-là. Je vais y aller en redéploiement stratégique. Ouais, est-ce que ça va passer? J'ai l'impression que oui, mais... Sacré Belge. Ils sont pénibles. Bon, ils arrivent là, ah, c'est parfait. Ok, donc là je vais vraiment être prêt pour avancer. Le but étant de descendre jusqu'à l'Afrique du Sud. Faudra peut-être que je ramène d'ailleurs des renforts pour me faire l'Afrique du Sud, parce que je pense qu'ils ont pas mal d'unités. Ok, là tout est bon. Est-ce que mes tanks sont arrivés? Pas tout à fait. J'aimerais bien avoir de l'infanterie, si c'était possible. Il y a celle-là qui va arriver au mois d'octobre. C'est tout, hein. Tiens, ça me fait penser que je peux, je pense, relancer mes sous-marins. Et merde, une révolte. Enfin, des miliciens. Ah, par contre là c'est des miliciens, ouais. Ça gère. C'est pas comme si c'était un pays ennemi qui créait des miliciens. Ça c'est plus une révolte interne. Un peu moins chiant. Déjà ils sont moins nombreux. Ah voilà, tout de suite mes sous-marins se remettent au boulot. Là, on va enfin arriver sur cette province. Et ce qui fait qu'on va pouvoir attaquer les Belges sur trois fronts. Ce sera peut-être un peu plus intéressant. Là, j'ai trois unités de cavalerie pour s'occuper de tout ça. Ça fait beaucoup. Est-ce que mes tanks arrivent? Ah non, mes tanks. Pourquoi mes tanks vont là? C'était pas vraiment là que je voulais les faire aller. Ah non, d'accord, c'est pas grave. Je vais le redéployer là. Les autres ont dû arriver, ouais. Ok, j'ai 15 divisions blindées sur place. Comment je vais faire? Je crois que je vais essayer de passer ici déjà. Et je vais essayer de passer sur Odessa en faisant un débarquement, ça me permettra de passer la rivière de façon plus facile. Je sais pas s'il y a des troupes sur Odessa, c'est ça qui m'inquiète un peu. Je vais d'ores et déjà ramener une flotte, celle-là par exemple. Je vais la mettre là pour voir. Merde, je peux pas. Je vais la mettre là. Ça c'est qui? C'est moi qui ai fait ça? Ah non, c'est eux. Ce que j'aimerais voir, c'est s'ils mettent des troupes sur Odessa, je suis pas certain. Je vais diminuer le nombre d'officiers, je suis quasiment bon là. Je suis à 139.
Donc ce groupe-là débarquera en Crimée. Et il me faudrait encore un corps ici pour débarquer. Et merde. Ah si, c'est moi qui ai gagné. J'ai réussi à couler un navire ennemi. Ça tient du miracle. Ok. Ah là. Donc il y a bel et bien des troupes sur Odessa. Ah, ça, ça m'embête. Je vois pas trop ce qu'il y a d'ailleurs. Je peux pas faire de la reconnaissance ou. Si j'envoie juste domination aérienne sur cette province. Non, comment je pourrais faire? Je crois que je peux pas. Bon, pour l'instant, je peux pas, c'est pas grave. Je vais me redéployer, pas ici d'ailleurs, plutôt ici. Oui, de remarque, il y a un autre port ici. Ce sera peut-être plus tranquille de débarquer sur Mykolaiv et de faire le chemin à pied pour les prendre dans le dos. Ouais. Odessa sera trop défendue. À mon avis, ça va être difficile. Alors, mes tanks ici. Ici. Ok. Les autres, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici. 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 Là, à mon avis, j'ai fait une connerie. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon. Et normalement, j'ai un deuxième corps de tank. Que je vais mettre exactement au même endroit, c'est-à-dire ici, ici, ok, je crois que j'essaierai d'attaquer par ici, pour longer la rivière là. Ouais, ça va être. Je peux pas attaquer de toute façon sur Jablonov en pleine montagne, c'est pas forcément l'idéal. Alors où est-ce qu'il y a encore des combats? Ouais. Ça c'est normal. Normalement mon transporteur doit être là, ouais, j'embarque. Donc en fait, encore incomplet, j'ai celui-là où il y en a deux. J'ai celui-là où il y en a trois. J'ai celui-là où il y en a un seulement. Mais sinon, tout le reste est prêt. Faut quand même que je me trouve. Je vais créer une armée, je crois, pour ces deux corps-là. En fait, j'ai peur de ne pas être à distance. Voilà, je vais créer une armée spéciale pour eux. Bon, pour l'instant, les leaders, faudra vraiment que je fasse quelque chose et faut pas que je tarde parce que la guerre doit être proche. Ouais, je suis à distance, c'est bon. Neuvième armée, c'est bon. Alors, il me reste celui-là. Il va aller ici. Je vais le rattacher à la 9e armée. Il me reste donc celui-là qui est tout seul. Je vais le rattacher à la 6e armée. Ah bah c'est presque bon. Je ne sais pas pourquoi la 5e armée elle est rattachée à rien du tout. Ça, c'est l'armée. Pourquoi il y a un corps ici d'ailleurs? J'ai dit que tous les corps allaient ici. Tous les corps de cavalerie, de garnison, je les réunis ici. Et cette armée, je vais directement la rejoindre au théâtre de guerre. Donc celui-là, c'est pareil. Il faut que je le rattache. Ah, mais il faut que je crée une nouvelle armée. Fais chier. Ouais, je vais créer une nouvelle armée. Par contre, je vais pas lui mettre de leader. Pas la peine.
Ouais, pour l'instant, je lui en mets un. Et cette 10e armée, je vais la rattacher. À la métropole. Ok. Et il me reste le 23e corps. C'est des blindés. Il doit aller avec la 2e armée. Ok, donc il me reste mes 3 théâtres de guerre. Ça, c'est parfait. Bon, je crois que je vais arrêter cet épisode ici. Maintenant, j'attends plus que les Allemands se lancent. Honnêtement, les Allemands ont placé toutes leurs armées le long de la frontière russe. Donc ça va peut-être pas tarder. J'aimerais bien réussir à me placer avant quand même. J'aimerais bien que mon transporteur revienne. Je vais en avoir pour faire, je vais en avoir besoin pour faire mes débarquements. On est où là? Ah d'accord. Ils sont chiants de me couler des trucs au large du Brésil là. Les sous-marins, ça donne quoi? Ils sont en état de se battre? Ouais. Ah, sous-marins. Je récupère enfin des sous-marins que j'avais perdu. J'en avais perdu beaucoup d'un coup. Merde, je peux pas les... Faut que je les bouge ailleurs. Ah, j'ai dit que j'arrêtais la vidéo, ouais. Bon. J'arrête. Je vous donne rendez-vous ce soir, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.